Ce soir, c'est un match pour évaluer un peu tout ce qu'on a fait pendant les 4-5 jours. Déjà sur le plan technico-tactique, c'était bon parce qu'on a travaillé certains aspects. On ne pouvait pas tout faire en 5 jours, surtout que les joueurs revenaient du championnat. Donc, il fallait beaucoup travailler sur la récupération des joueurs, mais tout en essayant de mettre des bases de la tactique qu'on veut. Ce soir, c'était déjà bon, il y avait de l'engagement, il y avait du rythme. Ils ont essayé beaucoup de choses. Donc je pense que pour un premier regroupement, c'est pas mal. On va continuer toujours à travailler. Il y a des corrections à faire, tout n'est pas encore parfait, loin de là. Donc c'est à nous de travailler, de se mettre en cause. Chacun à son poste a donné le meilleur de lui-même. Donc on va évaluer chacun à son poste, voir qu'est-ce que la personne, le joueur a fait durant le match et puis tirer les conclusions. Je pense que dans l'ensemble, collectivement, c'était bon. Il y avait un bon état d'esprit, il y avait de l'engagement, il y avait du rythme. On va continuer à travailler comme ça durant les prochains regroupements qui vont venir. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes sur le plan engagement, sur le plan du jeu. Sur le plan de la mobilité, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. On a su répondre, on a su être en place. Donc je pense que ça a été un bon match. L'adversaire aussi était de taille. Pour le moment, c'est les championnats qui vont reprendre le week-end. Donc on va laisser les joueurs aller dans leur club jusqu'à la fin de la phase retour. Et puis se projeter éventuellement sur un autre regroupement dans les mois à venir.